Bon, bonjour à tous. Alors, moi j'ai quelque chose à dire à propos des commentaires un peu haineux. Parce que des coups de téléphone ridicules, des coups de mytho ridicules, prendre des insultes, quoi, c'est tout ce que vous savez faire. Alors l'autre avec son Molière, lui-même je suis sûr qu'il est au moins sur une phrase, pas sur une phrase, sur une rédaction, on va dire. On va dire sur une rédaction, tu vas te retrouver avec, allez, je vais être gentil, hein. Va être gentil, tu vas te retrouver avec une bonne rédaction, tu vas te retrouver quand même avec 6 fautes. D'accord, c'est le minimum que tu vas faire. Hein, ou le maximum, je ne sais pas, j'en sais rien, je verrai. Mais quand on ne sait pas écouter une vidéo d'une personne, on se tait. On ne parle pas, on n'écrit pas. Déjà, le 18-25, c'est le sujet qui va être un peu plus direct. Vous menacez les gens, d'accord, ok. Il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que le 18-25 ne vaut que dalle. Pourquoi ? Parce que c'est un site qui sert strictement à rien pour moi. Parce que je n'utilise pas ce service-là pour savoir, pour connaître les nouveautés. J'en ai pas besoin de ces conneries-là. Ça me sert strictement à rien. Il y a d'autres sites qui font beaucoup mieux. Hein, qui font largement mieux que ce site-là, parce que ce site-là, normalement, il est fait pour tout simplement montrer les défauts des jeux, tout ça, etc., les points forts, les points... Bon, bref, c'est normal, c'est ça la base. Alors, ceux-là qui sont dans le chat, j'ai bien dit le chat 18-25, ils sont là pour critiquer, plutôt les personnes qui sont sur YouTube. C'est le défaut de ce site. C'est un vrai défaut. Moi, je vais essayer de contacter réellement le jeuxvideo.com pour de vrai. Le vrai site, pour de vrai. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas besoin de vos liens ridicules. Mais leur donner une lettre, une belle lettre, bien salée, pour contrôler jeuxvideo.com. Pour contrôler, parce que pour l'instant, le contrôle, les personnes qui ont envoyé des films de cul sur jeuxvideo.com, franchement, je les applaudis. Mais c'est vrai que ça se fait pas. Mais je les applaudis. C'est pour vous faire montrer que vous êtes de la merde. Tout simplement. Parce que vous êtes ignares, le 18-25. Vous n'êtes même pas des communautés convenables, parce que vous ne respectez personne. D'accord ? Vous ne respectez personne. Donc, en gros, comme vous ne respectez personne, à partir d'aujourd'hui, vous allez avoir des surprises. Des grosses, grosses surprises. Des très, très grosses surprises, parce que le 18-25 sera informé. Je parle bien du jeuxvideo.com. En lui-même, il sera vraiment informé. C'est ni Xavier, ni machin qui fait croire que c'est Xavier, machin. Non, 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 cela, on s'en fout. On sait que c'est des niards qui sont derrière. On parle des grands boss qui sont sur le truc. Vous inquiétez pas, il sera contacté pour de vrai. Et c'est très très sérieux, parce que là, maintenant, à partir d'aujourd'hui, ça va être d'avoir des surprises que vous allez tomber dessus. Donc, je connais un ami qui est dans le milieu, qui travaille là-dedans en plus, parce qu'on va être un peu direct. Hein. C'est un ami que je connais très très bien, qui connaît ce milieu-là, et il va s'en occuper de ce cas-là, parce que là, à partir d'aujourd'hui, ça va être un peu très spécial. Qu'on n'écrit pas comme vous voulez, j'en m'en contrefiche, on ne s'occupe pas de vous. Déjà d'une, ce qui a démarré l'affaire, la personne, elle se reconnaîtra. Tout simplement, elle pourra écrire tout ce qu'il veut, je m'en fous. Mais, là, ça va être vraiment très dangereux, parce que franchement, je vais demander aux responsables de jeuxvideo.com de ne plus mettre de commentaires. Tout simplement, de plus mettre un seul commentaire, qui veut dire de plus avoir un domaine de chat. Pour le 18-25, il sera totalement refusé. À partir de maintenant, ce sera un nouveau système qui sera. On va s'occuper de ça, parce que jeuxvideo.com, là, c'est les gamins de jeuxvideo.com, faut qu'ils arrêtent un peu leur ignare. Ils se disent un télo, mais un télo,
dans les chiottes. Parce que l'intelligence vient aussi du respect. C'est ce que je dis plusieurs fois, mais bon. Aujourd'hui, sera un bon système, sera bien. Alors, vous pouvez faire du like ou du dislike. Là, c'est sûr, du dislike, il y en aura 2699 800 conneries. Mais je peux vous assurer que c'est bon. Ça va être vraiment très sérieux ce que je vais se passer. Qui va se passer très très sérieusement parce que à partir d'aujourd'hui, ça va être très très sévère pour vous. On va s'occuper de vous. Et là, je ne donne pas les détails. Croyez-moi, vous aurez vraiment une surprise. Merci. Alors, pour moi, c'est un. Alors, c'est pour ça que je demande de rencontrer les personnes. Des personnes qui sont jamais venues avec leur MMA stupide, leur jeu, leur truc. Donc, comme vous êtes là pour agresser sur les gens, aujourd'hui, les gens vont s'occuper de vous. Honnêtement, tout simplement, on va s'occuper de vous. Mais le MMA, croyez-moi qu'il y en aura du MMA. Parce que c'est pas du MMA comme vous le croyez. C'est tout. C'est du MMA très spécifique, réservé pour vous. Vous pouvez avoir 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21, 22, 23, 24, 25. Vous pouvez aller en prison. Ça, c'est sûr. Parce que l'agression morale est punie par la loi. Donc, vous connaissez tellement les lois qu'en réalité, vous ne connaissez rien du tout. Vous n'appliquez aucune loi parce que tout ce qui est enregistré est enregistré. Tout ce que je fais, c'est je vous fais montrer. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais la loi est la loi. Bon, merci. Allez, je vous remercie les 18 mai 2, là. Parce que c'est, je sais même pas si je vais appeler 18-25. C'est comme tellement... Voilà ce que je dis pour 18-25.